16 km de l'arrivée. Ça s'agite du côté, on monte et ça s'agite en même temps. On va tenter une cassure avec d'autres coureurs de ce peloton. La course qui a complètement changé de figure depuis quelques minutes après avoir vu 6 coureurs animer le Grand Prix de Fourmi pendant longtemps. Bien maintenant, c'est un peloton qui n'a pas encore trouvé sa voie. Peloton réduit, sachant qu'il restera encore un tour au passage. Arnaud Gérard, là, qui reste très bien placé. Petite échappée, là. Qu'est-ce qu'elle va donner? Un coureur de l'équipe la Pomme Marseille, ça. Pour l'instant, c'est clair. On va voir ça dans un instant. Ah oui, c'est un coureur de la Pomme Marseille. C'est Yannick Martinez. Le leader, justement, de cette équipe. Le... de ça, très exactement, de Yannick Martinez étant le 171. Il n'insiste pas, il sait qu'il a des chances de s'exprimer aussi dans un sprint. Et là, c'est Romain Bardet qui vient combler l'accélération de Yannick Martinez. Les coureurs de l'équipe Cannondale qui restent toujours vigilants, placés aux avant-postes, tout comme les coureurs de la Movistar. Et c'est Greipel qui est déjà positionné, qui suit. Entre Ferron et on va avoir beaucoup de mouvements, hein, quand même dans ce dernier tour, parce que on a un peloton qui s'est fortement réduit. On a eu des grosses cassures. Vous voyez, on n'a pas les voitures tout de suite derrière le peloton. Ça veut dire qu'il y a une cassure avec bon nombre de coureurs. Donc toute crevaison fera que le coureur qui va crever sera condamné à ne pas pouvoir rester au sein de ce groupe. Et c'est surtout qu'on a encore quelques coureurs, un peloton assez groupé. Mais ça veut dire que les équipes de sprinteurs ne vont pas forcément pouvoir... On a vu tout à l'heure que bon nombre d'équipes de sprinteurs n'avaient pas encore roulé, mais Greipel, on le sent un petit peu isolé, il saute un petit peu sur tout ce qui bouge. Est-ce qu'il a la crainte de ne pas voir ses équipiers et de voir un coup partir? Alors il préfère prendre les roues pour anéantir toutes ses échappées. C'est vrai qu'on voit très peu de coureurs de chez Lotto pour le moment, aux avant-postes. On aperçoit André Greipel, le Belge, qui accélère également. L'Allemand. André Greipel, le Belge. Le Belge, André Greipel, l'Allemand. Pardon, l'Allemand, bien sûr. André Greipel, l'Allemand. C'est autant pour moi. Et c'est vrai que ça roule très très vite là. Avec le drapeau du champion d'Allemagne. Yannick Martinez, Rui Costa. Martinez, donc l'un des héros de ces derniers kilomètres du Grand Prix de Fourmi. La voie du Nord. Jason devant lui, l'un de ses rivaux. Et le peloton qui est derrière, il y en a 3 en tête pour l'instant, légèrement en tête à 14 km de l'arrivée. Ouais. C'est tout ce qui peut arriver s'il n'y a pas d'équipe de sprinteurs qui sont regroupés pour rouler. C'est ça, on a vu tout à l'heure pas de coureurs d'auto. Vous voyez des coureurs qui sortent à droite, à gauche. On est dans le faux plat que j'indiquais tout à l'heure, qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui fait mal aux jambes. Là, c'est un coureur de l'équipe Big Mat qui ressort. C'est Flavien Dassonville, tout récent champion de France, me semble-t-il, espoir, qui vient, à la suite d'un bel effort, rentrer sur les 3 hommes de tête. Rappelons que ces dernières lignes, ces dernières boucles se passent essentiellement entre Ferron et Fourmi, extérieur de ville, et puis on verra dans quelques minutes un nouveau passage. Là, qui va faire vraiment très mal là. D'ici moins un peu plus de 2 km, on en aura fini avec ce quatrième circuit. Le cinquième, et bien ce sera tout simplement la fin de ce Grand Prix de Fourmi. Il reste 13 km. Toujours bien groupé jusqu'au bout, très certainement pour maintenant. Je vous rappelle un prochain rendez-vous en prix d'Isberg dans 15 jours dans le Pas-de-Calais près de Béthune. Attend pour la Coupe de France en attendant Samuel Dumoulin, oui, le G2R la mondiale. Et c'est Rui Costa qui, depuis tout à l'heure, durcit la course. Lui, il ne veut pas arriver au sprint.
Oui, on connaît toutes ses qualités de rouleur, de finisseur. 27e à cette année du Tour de France, l'un des héros vainqueurs de deux étapes. Rui Costa, c'était l'une des vedettes annoncées il y a quelques semaines lors de la présentation officielle du Grand Prix de Fourmies, la Voie du Nord. Christophe, hein, voyez encore là, il aime bien ce Grand Prix de Fourmies, il est encore en bonne place. Et pour l'instant, il est leader de Katusha Team, Dossard 21. Il reste certainement aux abris et il envoie ses hommes devant parce que lui, c'est le sprint qui l'intéresse. Alors que lui, Rui Costa, n'a tout intérêt que ça n'arrive pas au sprint. Il a besoin de durcir cette course, de faire en sorte que la dernière petite ascension après la ligne d'arrivée eh bien, soit un élément, une sorte de tremplin pour lui. Et depuis tout à l'heure, c'est lui qu'on voit durcir la course. Il montre les dents, le Portugais, bien décidé à aller jusqu'au bout et à imposer sa force. Il passe un tout petit peu le relais, il passe même bien le relais, voit où sont ses coéquipiers, est-ce qu'il peut compter sur eux. Les coureurs de Androni qui veulent compter sur leur sprinter, Féline. C'est sûr que là, ce dernier passage sur la ligne et cette dernière ascension va peser dans les jambes des coureurs. Et on a encore, donc je vous disais hein, tout à l'heure, on ne voit pas beaucoup de coureurs de chez Lotto autour de Greipel. On a encore quelques coureurs autour de Cannondale, mais je ne suis pas si sûr que ça qu'on soit en capacité d'arriver au sprint cette année. Hein, parce qu'on a perdu bon nombre de coureurs sur ce peloton, sur ce tour. Vous l'avez vu, hein, Cyril, c'est le dernier tour. On va avoir une réponse très rapide avec Cannondale en force. Il y a 40 coureurs là, il y a 30-40 coureurs seulement. Hein. Soit il y a eu une chute, soit il y a eu une grosse cassure, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, mais ça a roulé très très vite et c'est un petit peloton. Voilà le dernier tour, comme vient de le dire Daniel Mangias, le public qui va tout doucement se mettre en place pour frémir de là, passion pour ces derniers kilomètres du Grand Prix de Fourmies. Et là c'est l'équipe Cannondale. Cannondale maintenant qui prend les commandes. Et vous voyez 40 coureurs aux avant-postes. Je serais pour dire qu'on risque d'avoir quand même une échappée aujourd'hui sur le Grand Prix de Fourmies. C'est un pari certes, mais quand on n'a plus que 40 coureurs dans le dernier tour, ça veut dire pas forcément beaucoup de coureurs pour contrôler. Il reste 3 coureurs dans l'équipe FDJ.fr, il reste 4 coureurs dans l'équipe Cannondale qui durcit énormément l'ascension. Mais vous voyez Rui Costa qui lui relance avec Romain Bardet dans sa roue. Cannondale qui veulent aussi apparemment remporter ce Grand Prix de Fourmies. Là pour l'instant, Romain Bardet entre autres qui prennent la tête de la course. Romain Bardet qui est là vraiment pour travailler pour ses sprinters. Faire en sorte que rien, vous voyez le gros du peloton qui fait que passer sur la ligne. Alors vous voyez ce plan large, hein, cela fait déjà 4 heures et un peu plus de 4 heures et 24 minutes que le Grand Prix de Fourmies a été lancé. Il reste 10 km, ce qui veut dire que d'ici quelques minutes, le Grand Prix de Fourmies aura livré le nom de son vainqueur. Et Romain Bardet qui relance. Son 81e vainqueur. Est-ce qu'un Français va monter à nouveau sur le podium pendant quelques instants? Cela fait 2 ans qu'on attend une victoire française dans le Grand Prix de Fourmies. Ce n'est pas si long quand même. Les Français brillent en général dans cette épreuve nordiste. Cannondale toujours, la G2R. Et là, les Cannondale qui, à deux, vont certainement durcir la course, rouler maintenant. Voilà. Romain Bardet. Avec De Marquis, me semble-t-il, et peut-être Bonnard aussi devant. Et vous voyez, derrière, il ne va pas y avoir grand monde pour rouler. Et semble-t-il que le Colombien soit Leonardo Duque. Rappelez-vous, ce coureur, il était chez Cofidis, il va plutôt vite au sprint. Et il est là. Ils auront brillé, hein, les Colombiens, aujourd'hui. Oui, on les aura vus aux avant-postes. Et c'est Contador derrière qui bouche le trou. On voit Contador de l'équipe Saxo aux avant-postes. On l'avait presque oublié, c'était peut-être un choix tactique et il revient. Il revient fort, peut-être pour finalement s'imposer. Oh, Contador fait en sorte de faire le travail pour son sprinter qui doit toujours être là, je pense, en tous les cas, qui n'est autre que notre sprinter habituel, Daniele Benatti. L'Italien. Ça permet d'apprécier à nouveau votre talent. Et vous voyez derrière ce que je vous disais cette année, ce qu'on risque de voir, c'est qu'il n'y a plus d'équipes qui sont suffisamment armées, groupées pour pouvoir rouler. On n'a que 40 coureurs derrière et cette échappée de 5-6 coureurs
pourrait profiter à des hommes forts. On a vu tout à l'heure les coureurs de Androni qui étaient très forts, qui nous ont lancé quelques attaques. On a maintenant deux coureurs de la Cannondale aux avant-postes. On voit et Romain Bardet. Minutes. Ils sont venus pour gagner le Grand Prix de Fourmies. Ça se voit, est-ce qu'ils vont y arriver? Et là, ça roule encore très très vite. Julien Duval qui est plutôt bien après avoir fait cette échappée. Il est encore dans le premier groupe. Ici, on a Rui Costa. Voilà, notre coéquipier de Julien Duval, de Roubaix et Métropole. Et on a 5 hommes aux avant-postes, avec 2 coureurs de chez Cannondale, les coureurs de Argos qui tentent de sortir, et oui. Ça a l'air de se dessiner pour ces 5 premiers en tête de... Il faut sortir maintenant. Ça va être un petit peu compliqué. La FDJ.fr va devoir faire l'effort, là, s'ils veulent, et il faut le faire très vite. Je parlais tout à l'heure de ce petit faux plat, il restera encore un faux plat dans lequel il faudra répondre présent. Ils ont l'air de tenir le rythme pour l'instant. Et là, c'est, me semble-t-il, de dos, que ce soit Tom Dumoulin qui soit ressorti pour l'équipe Argo Shimano pour rentrer aux avant-postes. C'est là un petit peu plus compliqué, mais pour l'instant, le peloton qui est en train de fondre à nouveau sur ces 5 coureurs. Donc, et on a Christian Koren aux avant-postes. Et Mathias Bodnar, je vous disais tout à l'heure. Le SAR51 aussi. Romain Bardet, le français. Bien placé pour s'imposer aujourd'hui. Ce serait quand même symbolique. Le premier français du Tour de France cette année, 15e, qui s'impose ici. Ce serait pas mal pour le Grand Prix de Fourmies. La Voix du Nord. Ouais, Leonardo Duque. Leonardo Duque, le Colombien. Et Malaguti, semblerait-il, qui soit là. Rappelons que la Colombie a placé l'un de. Alessandro Malaguti qui est aux avant-postes. Donc c'est quand même une belle échappée, c'est des coureurs qui... Et voilà, c'est ça, Malaguti. Une belle échappée avec des coureurs très puissants qui sont sortis vraiment en force. Et maintenant, je reste sceptique sur la capacité des hommes de contre, puisque c'est une quarantaine de coureurs qui sont derrière, à s'organiser, même si on voit que ça roule très très vite. Greipel est esselé, on ne voit pas d'équipiers de l'auto, à moins qu'ils soient tous aux avant-postes. Et on sent que ce circuit est usant et que... À répétition, les longs faux plats font mal aux jambes. Même Greipel là qui est bien occupé quand même à rester dans les roues, qui puise un petit peu dans ses ressources. C'est un circuit qui est très usant, le circuit du Grand Prix de Fourmies, pas par sa difficulté, mais par la vitesse à laquelle on roule tout le temps dessus. Et cette échappée qui ne grappille rien, qui reste vraiment à portée de main. Et c'est l'équipe de la FDJ.fr qui a repris les commandes. On disait tout à l'heure, il faut réagir maintenant vite. La plus grosse difficulté passée, le risque de contre est très limité maintenant. Donc il faut faire l'effort, il faut revenir sur ces 5 hommes. Ça arrive. Bodnar et Koren, donc Cannondale. Il faut se préparer. Malaguti, Androni. Leonardo Duque pour l'équipe colombienne. Et Romain Bardet pour la G2R la mondiale. Et voilà les petits faux plats à répétition qui font très très mal aux jambes. Un peu plus de 5 km, le Grand Prix de Fourmies s'achève. Et là, c'est l'équipe FDJ.fr qui fait un gros, gros, gros travail. Parce que avec tout le travail effectué depuis le début de ce Grand Prix de Fourmies, une grosse présence aux avant-postes. Ils n'ont pas paniqué, ils ont bien répondu. Nasser Bouani a resté bien au contact de l'avant-tête, de la tête de ce peloton pour ne pas se laisser enfermer derrière. Et maintenant, c'est ses équipiers qui font le plus gros du travail pour anéantir cette échappée de 5. Un Français, un Polonais, un Italien, un Colombien dans ces 5 coureurs. Et sans oublier également un Slovaque, Christian Koren. Là, Flavien Dassonville. On a Cyril Patou et tout ça va rentrer. Il n'y a pas beaucoup de monde pour le sprint. Ça va être un sprint un peu plus limpide peut-être que les autres années, mais ça relance. Et oui, il ne s'en laisse pas compter, Romain Bardet. Romain Bardet, le français, le seul français pour l'instant dans les 5 qui dominent ce Grand Prix de Fourmies à un peu moins de 5 km, on rappelle. Bardet pour l'équipe AG2R la mondiale, 2 Cannondale, le polonais Bodnar et puis aussi Koren, un italien et un colombien. Le peloton n'est quand même pas très très loin, ça n'est pas fini pour eux. Non, là maintenant on est dans les parties, il faut faire très attention à ces derniers faux plats, mais on n'est plus qu'à 4 km de l'arrivée, donc il n'y a plus de risque de
le risque sont relativement limités. Encore 3 équipiers pour Nasser Bouani, donc c'est à 4 km de l'arrivée, plutôt de bonne augure. Koren, donc le Slovène, qui va essayer aussi lui de s'imposer dans ce Grand Prix de Fourmies. Et Greipel qui lui va devoir se débrouiller seul, hein. Il n'a plus d'équipier, il va falloir qu'il se replace tout seul. Alors on a un sprint qui va être un peu différent, puisqu'au lieu d'avoir un peloton de 100 coureurs, eh bien on n'a qu'une quarantaine de coureurs. Mais il est important de pouvoir se placer. La différence d'un sprint comme ça de 40, c'est qu'il peut y avoir des coureurs qui vont sortir. Il y a très peu d'équipes pour rouler. Voilà, l'équipe FDJ.fr a fait le gros du travail. Elle est rentrée sous l'impulsion de Johan Ofredo. Et donc maintenant, il leur reste 3 coureurs pour mettre dans les meilleures dispositions possibles. On voit à droite, l'équipe Katsusha qui vient replacer Christophe sur la droite, à gauche de votre écran. Ça sent le sprint à coup sûr. L'équipe Cannondale. L'équipe AG2R qui va se repositionner pour repositionner Samuel Dumoulin et Utarovic dans les meilleures conditions possibles. Et maintenant, c'est une attaque. Et à nouveau, les AG2R. C'est assez. C'est Apollonio qui attaque. Il y a de nombreuses équipes là qui arrivent à jouer au coude à coude. Voilà, c'est Sojasen maintenant qui se met en lumière à quelques minutes, à 3 km très exactement de cette arrivée du Grand Prix de Fourmies. Je cherche un petit peu Kittel, que je ne vois pas pour l'instant aux avant-postes. Kittel n'est pas là, hein, à mon avis. On a peu vu, hein, de toute façon, dans ce Grand Prix de Fourmies. Les champions, pour l'instant, ont Samuel Dumoulin qui sort. Samuel Dumoulin qui fait l'effort. Samuel Dumoulin qui a bien compris qu'il n'y avait plus qu'une quarantaine de coureurs et qu'il ne fallait pas tergiverser. Rui Costa qui s'est écarté de la route Samuel Dumoulin. Et Samuel qui continue. Il reste 2 km, un peu moins de 3 km. Un Français va peut-être s'imposer. Très très bel effort. Hein. Samuel Dumoulin qui est en très bonne condition sur un circuit très difficile comme celui de Plouay. Il a terminé 3e dans un sprint très rapide. Et là, il passe en tête au passage à niveau. Il reste 2,6 km et là, il est parti. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Ça risque d'être très compliqué, mais l'effort mérite d'être tenté maintenant qu'il, de toute façon, qu'il l'a accéléré là où il a accéléré pour revenir sur le coureur de Sojasen. Maintenant, Samuel Dumoulin qui doit tout donner. Il n'est plus question de penser au sprint ou autre. C'est un long sprint, mais 2 km 400, ça va être très très compliqué parce que derrière, il va toujours y avoir quelqu'un pour relancer cette course. En tout cas, il accélère. Très très bel effort de Samuel Dumoulin. Un nouveau Français peut-être va remporter ce Grand Prix de la Fourmi, le Grand Prix de Fourmies, la Voie du Nord, que vous pouvez suivre en direct sur WEO. Et il n'y a plus que un ou deux coureurs de Cannondale pour rouler, un ou deux coureurs de l'équipe FDJ.fr pour replacer le sprinter. Allez, une cinquantaine de mètres d'avance pour Samuel Dumoulin. Évidemment, on a différents aspects en matière d'image. On sent que rien n'est fait, là c'en est même fini là pour Samuel Dumoulin. On pensait à un moment donné Il me semble que Kittel est là. Si vous regardez en 20e position dans la rue de Tom Dumoulin derrière le coureur de Roubaix. Il me semble bien que Marcel Kittel soit là. Donc on aurait Marcel Kittel, Greipel. On a Benatti. Vous voyez Benatti dans la roue là de coureur de la Saxo. Rien n'est joué. Suspense jusqu'au bout, il reste 1,5 km. Est-ce que quelqu'un va tenter une dernière échappée? Dominique Rollin qui reste bien positionné, Michael Delage, Nasser Bouani. Et là c'est l'équipe Katusha qui a pris les commandes. Ça va être un sprint très tumultueux, ça va rouler très très vite. Là il va falloir être... Le placement est important, il ne faut pas traîner aux arrière-postes. Daniel Benatti qui est très bien placé dans la roue de Christophe. Christophe, hein, qui avait fini Leonardo l'an dernier. Et voilà, dernier kilomètre. Christophe très bien placé dans la roue de Benatti. Vous voyez Marcel Kittel en 10-15e position sur la gauche de l'écran. Qui va remonter certainement. Sieberg qui est remonté. On a vu Sieberg de l'équipe Lotto pour repositionner Greipel certainement. On est certainement fini pour Lars Back dont on ne sait pas du tout où il est. Il ne gagnera pas une deuxième année consécutivement. Et là c'est l'équipe Saxo qui va lancer Daniel et Benatti avec Christophe. On a le coureur de Vacances Soleil, notre jeune Français, Romain Feuillu, très idéalement placé là dans la boîte, dans la route Daniel et de Benatti. Et là, on va Feuillu dans la route Benatti. La ligne d'arrivée, elle est imminente. Greipel qui lance. Greipel dans sa roue, Nasser Bouani, Brian Coquart. Nasser Bouani qui va passer sur la droite. Nasser Bouani qui va passer, victoire de Nasser Bouani. Bravo!
Et voilà, je vous l'avais dit en début de direct sur Wéo. Nasser Bouani qui a remplacé Arnaud Démare il y a quelques jours et qui s'impose. Retour d'une victoire française ici sur le Grand Prix de Fourmies-la-Voie du Nord. Il s'était imposé dans le Nord il y a 2 ans pour devenir champion de France. Et là, il s'impose au Grand Prix de Fourmies qui a réservé un suspense intense jusqu'au bout et le public qui applaudit. Beau final. Et les Français qui se sont illustrés tout au long de ce Grand Prix de Fourmies. Et là, on revoit ce sprint. Nasser Bouani qui reprend donc sa revanche par rapport hier et à la course qui s'est terminée à Bruxelles face à Greipel, l'Allemand. Et Greipel qui sent qu'il est trop court dans le sprint. Et qui est Nasser Bouani qui vraiment est resté idéalement placé jusqu'aux 150 mètres. Regardez-le là, il est dans la roue. Il est important dans cette course pour le Français. Ouais, c'est vrai qu'il était idéalement placé. Mais là, il faut y aller, hein, faut pas hésiter à passer. Greipel qui, dans très correct, garde vraiment sa ligne. Il aurait pu refermer un peu la porte, mais Bouani qui gagne vraiment facilement ce sprint. Voilà. Il a réussi à se faufiler dans ce trou.